Bonjour à toutes et tous, c'est Daniel et Max sur un nouvel épisode de Pokémémo, le numéro 7. Pas grand chose puisque en off, moi j'ai Rosebouton et Nosferalto qui ont évolué. Pile après nos combats avec l'équipe Origine qui nous a défoncé tous les deux. Ouais, et du coup, moi j'ai juste augmenté un peu le niveau de la bouée, le Muste Bouée. Un épisode où on va capturer des Pokémon, défoncer la Team Galaxy une fois de plus. Et voilà, et ce sera déjà pas mal. Hein. Ouais, c'est déjà un bon programme. Alors bon, on va commencer par là, je pense. Vas-y, let's go. Alors, déjà, et puis visiter un manoir en alors aussi. On a déjà les arbres, parce que du coup ça compte comme des zones. Déjà, attends, je tombe sur un rose bouton. T'es sérieux, t'as tapé un grain d'herbe. Voilà, c'est bon. Allez. Ah, bah... Blindalis, c'est foutu. Voilà, merci, au revoir. Au moins ça c'est fait. Blindalis. Ah, qui m'empêche de fuir. Comment ça, fuite impossible? Pas les fuir? Ah ouais, bah fuite impossible. Bon bah. On peut pas fuir les Pokémon des arbres? Je pense que c'est un ajout de Pokémémo où tu peux pas fuir les Pokémon des arbres, je pense. Parce qu'ils sont collants. Ou parce qu'ils sont énervés que tu les as délogés de l'arbre, je sais pas. Alors moi j'ai un autre arbre que Daniel a pas fait. Ah, vas-y. Donc je vais te montrer où est-ce qu'il est. Juste là-bas. Il y a okay. Un petit passage ici et en fait il y a des arbres, il va couper. C'est pour ça qu'on pouvait pas y accéder avant. Ah mais j'ai pas God Bidou. Mais... Ah. Bah, ah. Il y a quand même des objets. Ah bon, en plus des objets? Bon bah vas-y, je vais chercher God Bidouf. Capumain. C'est bien ça, Capumain? Je sais pas. Bof. Après, il peut évoluer en Capidex. Coucou. C'est déjà un Pokémon. Oui, c'est déjà un Pokémon. Tu sais, maintenant, moi... Oui, je sais, oui. Maintenant, dès que tu trouves un truc, ça va être bon. Off. Allez, on va dire que de toute façon, le prochain échange, ça va retomber sur toi. On va dire que si on perd Capumain, c'est pas très grave. Ouais, bon, il restera dans l'équipe. Ah, il y a Blabla Dodo. Ah, mais attends, mais il y a un Ronflex en face de nous. J'espère qu'ils ont pas réussi à prendre Blabla Dodo. Parce que Ronflex, Blabla Dodo. Bah, de toute façon, Ronflex, ça prend ronflement à un moment donné. Donc, ouais. On va dire que voilà. Je trouve que nos adversaires sont très très avantagés quand même avec leur Culbutoke, Ronflex, tout ça. Bon, je n'arrive pas à le capturer. Ah, il est réticent. Et j'ai plus beaucoup de Pokéball. Hein. Oh, c'est vrai, on n'a pas racheté de Pokéball. Oh, parfait. Ouais, on va peut-être aller en racheter vite fait. Ouais, parce que je suis blindé de thunes, là, c'est le moment de... Bon, bah, GG. Je l'ai. Oh, bah, parfait, parce que ça se trouve... Ah, oui. Fox, ils vont avoir de la chance, et voilà. Pour l'instant, personne n'a bloqué de Capumain. Hein. Ouais. C'est ouais, pour moi, la chance, c'est plutôt Scarino que Capumain. Hein. Oui. Oui. Je ne sais plus quoi te répondre. Sombre Ball qui pourrait être intéressant, parce qu'il fait tout le temps nuit. Hein. Oh, ouais, à chaque fois qu'on tombe, c'est terrible. Hein. Faiblo Ball, j'en ai plus que 4. On va en acheter une. T'as raison, je vais acheter 5 sombres balls, on sait jamais. Si on tombe en... Je crois que. Bah oui, il y a une grotte à côté en plus. Bah oui, c'est pour ça. Et repousse, prends des repousses. Ouais, ce que j'étais en train de me dire. Ah, mais j'en ai déjà 11. J'ai dû m'énerver à un moment, j'aurais dû en acheter. Allez, Pokémon sauvage là. Tu veux faire le manoir maintenant? Bah, on fait le manoir maintenant, non? Ok, vas-y. Faut utiliser. Du coup, quelle est la strat? À mon avis, bah, on faut prendre le motisma. Tu veux tenter le motisma? Bah, à mon avis, faut. Non. Ou alors un de nous prend Motisma et un autre Photominus. Je suis sûr il va être bloqué ou un truc comme ça, enfin je sais pas. Hein. Mais Motisma à la Pokéball, ça va être chaud. Hein. Ou sinon je le tente et tu me rejoins et on voit en fonction. Ah, me parle pas la championne. Bon, en fait, elle dit qu'elle a les foies et qu'il faut que t'ailles à sa place. Huile. Oh yes, de l'huile. Oui, c'est de l'huile ici. De l'huile. On prend de l'huile, on va dans un vieux manoir. Alors. Voulez-vous secouer la télé? Je secoue la télé. Déjà, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il est niveau 20 en plus. Ah ouais? C'est vrai qu'après, on n'a pas de Pokémon électrique, donc ça peut faire un bon truc. Bah en fait, j'hésite là. Les adversaires, enfin nos adversaires, sûrs, ils l'ont. S'ils l'ont tenté, ils l'ont parce qu'ils ont des Hyper Balls. Nous, pour l'avoir, tu vois, faut vraiment, vraiment qu'on ait de la chance. Parce que les légendaires, c'est toujours les plus chiants à capturer. Hein. Franchement, là, c'est. T'as peut-être raison, là, donc. Ouais, allez, je vais capturer un Pokémon sol. Et ça va être un. Phantominus, évidemment. Mais Ectoplasma, c'est bien. Si on arrive à garder ce truc, en vrai, c'est pas mal. Par contre, oui, je suis con d'avoir gardé ma choc, alors c'était sûr qu'il y aurait Phantominus en face. Ah bah, il fait regard noir, donc déjà, c'est parfait, il a pas envie de s'enfuir. Et Phantominus! Yes! Oh, j'espère qu'on nous bloque pas. J'ai mis clic. Non. T'as fait quoi? T'as fait quoi? T'as pas fait fuite? J'ai tué. Ah, tu l'as tué? Bon bah, tant pis, hein. Mais putain, quel jeu de merde! Allez, on dit qu'on s'arrête là, c'est pas grave. Eh bah, c'était un très bon épisode, à la prochaine tout le monde. Ah, oh, mais non, mais non, mais... Bah, moi, j'ai trouvé un vieux gâteau, par terre. Ok, oh, j'ai eu un bug. Qu'est-ce qu'il y a?
Bah, je suis sorti par la porte, mon Boscara a popé là-haut, en haut de l'étage, et du coup, il m'a pas suivi. Ah ouais? Ouais, c'était bizarre. Faudra que je mette mon passage au ralenti, parce que je l'ai fait super vite, je l'ai à peine vu. C'était trop chelou. Enfin, y'a rien à faire à part le coup des fantômes, là. Bah non, à part ça, y a juste beaucoup d'objets, ce qui est bien, ce qui est pas mal, hein, en vrai. Mais y a pas genre Darkrai ou un truc comme ça qui déboule? Ah non, pas du tout, c'est juste pour Motisma. Vous inquiétez pas, Team Galaxy, attendez un peu, hein, on a le temps. Ah, alors, bah c'est parti pour une nouvelle zone. Bonne chance pour cette zone. Allez. Attends, ouais, on verra au moment où... Allez, hop. J'ai une horde de Medictica. Moi, j'ai une horde de Bidouk. Mais Medica, personne ne l'a. Bah oui, t'as de la chance, là. Là, t'as... Il faut que t'en... C'est bon. Deux, on t'en sauve un. Une horde de Bidouk, c'est horrible. Oh, je les ai one-shot tous avec Trancherbe. Oh là là. Incroyable combat. Bon, ok, je one-shot les Medictica, donc je ne vais rien faire sur le Medictica. Et je vais faire hyper attention. Oui, c'est bon, Medictica. Bon, on fait la grotte, du coup. Bah. J'ai avancé d'un pas. Ah, oh, tout ça pour tomber sur un Medictica après. Et tu as une Super Ball, si tu veux, en haut des herbes. Ah. Dans le petit coin, il n'y a pas d'herbe, en haut, à côté du garçon, là. Il y a deux coins où il n'y a pas d'herbe et il y a un objet, il y a une Super Ball dedans. Je l'ai pas déjà ramassé, ce que je suis en train de me dire. Bah oui. Ah, tu l'as déjà ramassé. Pris une repousse qui au final n'a servi à rien. J'ai craqué. Il faut Archéomir. Et là je rencontre aucun Pokémon Soleil, tiens, tu remarqueras. Neuf Serapi. Oui. J'en ai marre de tomber sur des Neuf Serapi. Medictica. Un os ton père. Je suis pas le dieu des Nocerapti, d'accord? C'est bon. Medictica. Ah. En soi, je peux le capturer pour toi, si tu veux. Enfin, j'ai déjà ma choc, mais ouais, on sait jamais. Ça peut être très bien si on perd... Si je perds ma choc. Charmina reste très bien. En fait, on joue à Pokémon Hard Mode Challenge. Ouais, genre... Pokémon Karma. Merci Karma. Mais un jour, le karma s'inverse. C'est provoque. Ouais. Bah contre Kulbuzogé, Ah j'avoue putain. Bah ouais, il joue Strat, on va jouer Strat. Oh mais ouais, bien. Ouais, trop bien. C'est sûr qu'en aventure provoque, ça sert à rien, mais enfin entre nous là, c'est très très bien. Ouais. Oh là, t'as marché en crabe là? Ah ouais, tu marches en crabe? Ah ouais? Comment tu fais? Bah non mais toi c'est toi qui marches en crabe. Ah ouais, bah pour moi c'est. Bon, le savoir doit avoir des petits lags. Ah, c'est bon, là, moi, c'est réparé. C'était trop drôle. Mais oui. Bon, bah, go. On va aller casser la gueule à la Team Galaxy. Et ouais. Ah oui, où t'as Belladonis qui se dévoile devant tout le monde. Bonjour, je suis infiltré. Je suis infiltré. Personne peut voir, c'est bon. Chut, tu dis pas que je suis infiltré, hein. Ah, ouais, c'est pas... Y a pas 5 mecs devant toi qui t'ont vu, hein. Désolé, mon chou. Ça, c'est des méchants, ça. Ça, c'est des vrais méchants. Allez, mon petit cœur, bouge-toi. Je vais taper, ça va faire un peu mal, hein. Tu m'as décoiffé. Qu'est-ce qu'on se moque, c'est pas bien. Oh, le bonus d'enfer. Bon, quand même, le bonheur, il monte vachement vite dans le jeu, hein. J'ai quand même deux Pokémon de bonheur qui sont déjà évolué. Oh, mais Boscara, il est nul sur la Team Galaxy. Oh oui, c'est vrai, ils sont tous... Ouais, ils sont tous poison. Ouais, c'est ça, bah ouais. Mais l'immeuble, il a aucun sens. Oui. Mais non, mais c'est un immeuble pour faire des pièges, apparemment. Pire que la maison. Et la structure, elle a aucun sens. Mais... Parce que... Donc là, techniquement, il y a une partie qui est sur le vide. Ça n'a pas de sens. En même temps, t'as vu la gueule du bâtiment de l'extérieur. C'est une planète, hein, donc... Bon. Oui, mais c'est une tour, quand même, qui est droite. C'est pas, genre, plein d'étages à gauche, à droite, un peu partout, qui débordent. Oh, mais... Ah, ce jeu où les dresseurs ont des Pokémon Strat où ils font bluff et tout direct. Non. Non. T'as la précision au moins, ça a marché. C'est scandaleux, quoi. Tout ça pour avoir un magnifique objet qui va nous servir énormément. Non, c'est nul. Du coup, c'est bien, ça me permet de me rendre compte qu'effectivement, j'ai un problème contre les ténèbres au poison. Je sais pas comment les gérer. C'est effectivement, moi, il y a un Pokémon vol poison, genre... Typiquement, ton os d'enfer, je peux pas le battre, je pense. Ah, bah, de toute façon, il veut pas se battre. Mais c'est quoi ces gardes?
Ouais, des fois ils veulent se battre, des fois, non, vas-y, passe, c'est bon. En parlant de la logique de ce bâtiment, genre, il n'y a que cet étage où il y a quelqu'un qui est. Le chef, il a dit: moi, je veux des murs étoiles. Pas les autres étages, hein. Galaxie. Et du coup, je me demande comment ça marche, parce qu'il faut de l'électricité pour tout ça, non? Bah, peut-être qu'ils ont une grosse facture. En même temps, il y a plein de générateurs. Allez, le méchant. Ah, mais non, c'est pas vrai avant. Allez, hop. Améliorator. Bon, bah, démerde-toi, merci, au revoir. C'est à quel sujet? Bah, c'est pour sauver quelques questions stupides, tu viens pour libérer les Pokémon? Exactement. Moi, Jupiter, je vais te régler ton compte. Oh, pas un gros dialogue pour une fois. Sans Cookie, Vibra, quoi, ça aurait été trop bien. Bah oui, mais bah oui. Ah oui, il y a Moufler. Bonjour. Tiens, prends God Bidouf. Il est que niveau 5, mais c'est pas grave. Putain, Ardokré qui va mourir. Voilà, et c'est pour ça que Florizarre au final est quand même mieux que Boscara, parce qu'il est plein de poison, et du coup il s'en fiche des attaques poison. Alors que Boscara, bah, ah, il meurt. Voilà ce qui se passe. Bon, par contre, ouais, en fait, le Moufler, je sais pas si je le passe. Putain, mais moi il fait tout là, il m'a rendu confus, il a évité les attaques. Ah oui, d'accord. Et il est neutre au combat? Ah d'accord. Oui, parce qu'il est ténèbre. Oh, il a une baie. Non. Tu te fous de moi? Ah mais c'est mon pire ennemi, Moufler, en fait, je sais pas comment le gérer. Il a boom finale. Non. Ma choc, non. L'XP, non. Je t'avoue que là, c'est le combat qui m'a fait le plus suer. Les arènes, on s'en fiche, mais alors ça, va falloir qu'on se prépare. Enfin, moi, en tout cas, il va falloir que je me prépare mieux sur la Team Galaxy. Hein. Et c'est une victoire. Voilà, je te conseille de pas fouiller. Je les ai entendus dire, mais l'Ophée vient de l'espace, il nous le faut. Tu parles d'une logique, c'est plutôt les extraterrestres. Oui, le monsieur, il a dit qu'il voulait bien nous donner son vélo. On est des biqueurs. On a des tatouages en forme de cœur. Mais non, mais mec, t'imagines si c'était un Nuzlocke? Parce que là, je me dis, mais là, le Moufler boom final qui m'a one shot. Ah, bah non, mais c'était fini, hein. Moi, épisode 2, j'étais mort. Hein. En fait. On récupère le vélo et puis c'est bon pour cette. Ah, truc que je n'ai pas fait. Je suis pas allé derrière l'arène avec les chevaux. Bah, t'as pas rencontré Cynthia? Bah, non. Elle me confie un œuf. J'ai pas de place pour un œuf, évidemment. C'est quoi? C'est un Togepi, du coup, non? Peut-être, sûrement, je pense. Bah oui. Enfin, on n'y aura pas le droit cette saison, vu qu'on nous a dit que les œufs, c'est interdit. Mais bah, on a un œuf. Tiens, un gage de ma gratitude, un vélo. Oui. Oui. Oh, c'est trop bien, le vélo. On va aller sur la piste cyclable. Mais ouais. On est des biqueurs. Mais trop. On a oublié l'Explora-Kit. L'Explora-Kit? C'est important, ça? Je sais pas. On va déterrer des trésors, je viens de Cherbourg, je suis au musée. Mais... D'accord. Parle au vieux monsieur, il va être brisé le quatrième mur. Cette fonction n'est pas encore implémentée. Ah, il n'y a pas l'Explora Kit. Eh ben, au revoir tout le monde. C'était un épisode très sympathique, Poké MMO. Et à la prochaine, bisous.